Donc, le jeune Antoine a été séquestré pendant 2 semaines par une famille d'Ozo à Lambani. Voilà, il a été séquestré et torturé pendant 2 semaines. Et c'est passé presque inaperçu. C'est passé franchement presque inaperçu. Les gens n'en parlent pas trop. Donc, je pense qu'on devrait en parler. Je vois qu'il y a une histoire de Nigérien ou quoi et tout. Un étranger qui a fait quoi, un Guinéen, mais on est gouverné par des étrangers. Alpha et Burkinabé, il y a beaucoup de Béninois, il y a beaucoup de Togolais, il y a plein de personnes qui font la loi en Guinée, hein, ça n'a rien d'extraordinaire. Je suis désolée pour ce monsieur, c'est une vieille histoire, certes, il doit y avoir une justice par rapport à cela, mais c'est une justice pourrie. Si cette justice n'était pas pourrie, Alpha ne serait pas à la tête de la Guinée aujourd'hui. Donc, il faut arrêter de faire la comédie. Pendant ce temps, on a un autre Guinéen, on a une famille guinéenne qui séquestre un Guinéen. Donc, je pense qu'on doit plus faire attention à cela parce que ça, ce sont entre frères. Voilà. Donc, pendant 2 semaines, il a été séquestré et torturé pendant 2 semaines, selon ce qu'il a dit. Hein. Donc, vous allez écouter ce qu'il a dit. Bah, donc, apparemment, en tout cas, c'est vrai parce que la famille ne veut pas laisser l'histoire comme ça. Ils veulent poursuivre l'affaire et tout. Et il y a des gendarmes qui ont été blessés par balle à Sigiri, ça s'appelle comment? Par des chasseurs d'Ozo encore. Finalement, les Ozo là, à Koumang, je sais pas, à Koumang, Bougoudou ou quelque chose comme ça, dans un village de Sigiri, dans une localité de Sigiri. Donc, là-bas, c'est pas l'axe, hein. Voilà, donc eux, c'est pas des terroristes, c'est pas des djihadistes, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Ça, c'est des choses dont on parle presque pas. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, il faut qu'on en parle. C'est très, 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 très. c'est un cocktail. C'est très bon. C'est citron, orange, menthe, quoi là, tout ça là. C'est très très bon. Donc, voilà quoi. Le numéro, comme d'habitude, je vais vous le donner parce qu'il y a des gens. En attendant, il faut partager pendant que je cherche le numéro. Vous savez, je ne m'appelle jamais. Je ne retiens même pas ce numéro-là. Il faut même me dire, bah. Parce que moi-même, je ne l'ai même pas. Hein. Envoyez-moi mon numéro, bah. Envoyez-moi mon numéro sur WhatsApp, s'il vous plaît. Je vais écrire ici. Si quelqu'un me demande, vous lui donnez là-bas, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui demandent tout le temps. Pourtant, c'est le même numéro à chaque fois. Donc voilà. Demandez comment je vais t'inviter, je te vois plus. Hein? Pardon. Voilà. Donc on va écouter le frère Bangoura là, Antoine Bangoura, qui a été séquestré. Lui-même, il va raconter son histoire parce que bon. Pairing. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Connected. Il est où? Il est où? Ce Antoine là. Il est là. Essayez de partager, s'il vous plaît. On va l'écouter. Jean-Antoine Bangoura a vécu des jours d'enfer pendant 2 semaines. Tout est parti d'une histoire de vol de voiture dans la famille d'Onzo qui l'héberge à Lambani. Jean-Antoine et les fils de M. Abdoulaye Donzo ont été faire ensemble la déclaration du vol de la voiture à Koléa avant de revenir à Lambani pour continuer les recherches. Mais contre toute attente, il est envoyé dans une concession inachevée par les enfants de la famille Donzo et certaines de leurs amies. Là, il y passera 13 jours de séquestration, de bastonnade et de torture selon sa version des faits. Les cicatrices sur son corps en témoignent. On est venu jusqu'au carrefour ici.
Afrikov, la destination était là-bas. Quand on est venu au Carrefour Afrikov, on est descendu. Quand on est descendu, on m'a dit maintenant, on descend au bas-fond. Comme moi aussi, je ne savais rien, je les ai suivis. On est parti jusqu'au bas-fond. Quand on est parti au bas-fond, mon petit en personne, qui m'a invité chez eux là-bas, je l'ai trouvé assis dans la cour avec un de ses oncles et deux de ses cousins. Plus nous qui sommes venus là-bas, on m'a dit d'enlever mon t-shirt. Je les ai demandé pourquoi. Ils ont insisté. Quand j'ai insisté, ils ont commencé à me gifler. J'ai enlevé mon t-shirt. Ils m'ont dit d'enlever mon pantalon aussi. Et tout ce que j'ai sur moi, j'ai enlevé tout. Ils m'ont dit de faire l'appui facial. J'ai fait l'appui facial. Après, mon pied était suspendu. Ils ont envoyé un seau d'eau. Un seau d'eau là, ils ont pris tout ça là, ils ont tapé ma figure avec. Quand je ferme mes yeux, on me gifle. Jusqu'à l'eau là est fini. En deuxième position, on m'a dit de faire monter mes pieds à l'air sur le mur. J'ai fait monter mes pieds à l'air. Ils ont pris maintenant de l'eau en train de mettre sur moi. Et entrer ici, si j'ouvre ma bouche. Ça rentre dans ma bouche. Je me suis concentré. Ça coupe, je suis désolé. Comme ça, jusqu'à l'eau là aussi est fini. Après maintenant, on m'a dit de me lever. Je me suis levé. Parce que là-bas, il y a un plié là-bas. Et on m'a attaché à la plié, ingénué comme ça là. Ils ont commencé à me frapper. On m'a giflé, frappé. Il y a même les traces de cigarettes sur moi. Après, le Mocha, le fils de l'avocate là, il a pris le briquet, il a mis sur mon testicule. J'ai crié. Après maintenant, il m'a même piétiné avec son pied ici là. J'ai tombé, j'ai fait 15 minutes. Mon respiration est coupée. Jean-Antoine Bangoura accuse dans cette affaire le père de famille Abdoulaye Donzo et sa femme d'avoir donné l'ordre à leur fils de le violenter. Ils auraient même imposé à la victime de mentir au téléphone à sa mère. Monsieur Donzo, il est le président des syndicats des transitaires au port autonome. Je les accuse, lui et sa femme, d'avoir donné des ordres de me torturer à leurs enfants. Quand je l'ai dit, il m'a dit qu'il me dit d'aller dire à qui je veux, d'aller à où que ce soit, qu'il a bien fait. C'est ça qu'il m'a dit. Quand ma maman m'a appelé, la dame m'a dit de dire à ma maman, soi-disant, que c'est elle qui m'a pris avec ses enfants et nous a amenés quelque part pour ne pas que ceux qui ont volé la voiture nous fassent du mal. Après, ma maman m'a appelé, je lui ai expliqué ça. Après maintenant, son fils a pris le téléphone, il est parti. Dame Donzo aurait même tenté d'étouffer l'affaire en suppliant Jean-Antoine Bangoura. Le jour qu'on m'a libéré, on m'a amené encore jusqu'à dans leur cour. Quand on m'a amené dans leur cour, la dame était assise avec sa nièce, avec un monsieur. Après maintenant, il s'est levé là-bas. Moi, j'étais dans la case, elle est venue auprès de moi, elle a pris une chaise parce que c'est sur la natte, moi j'étais assise. Il m'a dit, ah Tony, ce qui t'est arrivé là-bas, je ne veux pas que tu en parles à les gens, je ne veux pas que personne ne sache. Elle m'a imposé ça. Moi aussi, je lui ai dit, ok. Après, elle m'a dit que son fils, le militaire, que de lui pardonner tout ce qu'il m'a fait, d'oublier. Par après maintenant, elle m'a dit ah, qu'elle a vu une femme pour mon grand frère là-bas. Quand elle a dit ça, je me suis même étonné parce qu'elle ne fait pas partie de ma famille. À force d'être malmené, Jean-Antoine Bangoura dit avoir aujourd'hui des problèmes de santé. À l'heure là, même pour respirer, ce n'est pas facile pour moi. Même si quand je cours ou bien je marche, derrière ma poitrine ici là, on dirait que c'est quelque chose qu'ils ont pris, ils ont fixé sur là-bas. J'ai ma tête aussi qui me fait mal, très très mal. Et mes articulations. Mon oreille là, je l'ai perdu, c'est gâté.
Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez même envoyer une Kleenex ici. Je vais faire entrer dedans, je vais faire sortir, vous allez voir. Son grand-père, très choqué par le traitement infligé à son petit-fils, compte poursuivre M. Abdoulaye Donzo en justice. Je suis dépassé par l'événement. Je voudrais, au nom de la grande famille, humblement demander. C'est son grand-père, ça. De toutes les façons, c'est une vidéo qui est sur Star. Comment ça s'appelle? Star TV, hein, c'est ça. Vous pouvez la retrouver. Agir l'avait partagé. Demandez à ce que justice soit faite. Voilà, c'est son grand-père, ça. Et que mon petit-fils Antoine soit vraiment rétabli dans ses droits. Surtout sur le point de vue santé. Et nous ne sommes pas prêts vraiment à lâcher ce problème. Si M. Donzo se croit un extraterrestre, il saura qu'il a affaire à une famille responsable. Parce que ça, c'est un crime, c'est un délit. Nous avons joint au téléphone M. Abdoulaye Donzo pour équilibrer l'information. Mais il dit être éloigné de Conakry et ne peut rien dire là où il se trouve dans cette affaire. Son épouse, également jointe au téléphone, nous a laissé entendre que son mari est le mieux placé pour parler de cette affaire. Pendant ce temps, le jeune Jean-Antoine Bangoura continue de se tordre de douleur. Donc voilà. Je suis un peu déchargée là. Je vais être chargée par ici. En attendant que vous appelez. Donc voilà, ça c'est Antoine, Jean-Antoine Bangoura qui a été séquestré dans une famille. Voilà, une famille d'Ozo. Et c'est quelqu'un qui a l'air bien placé au port de Conakry. Je ne sais pas, il est quoi. Et tout ça, ils ont dit dans la vidéo de toutes les façons. Donc voilà un peu. C'est sur Star, Star TV, je crois que c'est ça. Non, Gangan RTV, première TV privée de Guinée. Gangan TV, voilà, c'est sur Gangan. Vous pouvez aller voir là-bas. Agi avait partagé il y a quelque temps, mais il n'y a pas grand monde qui en parle. Donc, voilà un peu. Et ça, je pense que ça ne doit pas être, ça ne doit pas passer inaperçu. Parce que c'est très bien de parler d'un Nigérien qui a maltraité un Guinéen depuis, je ne sais pas, 3 ans ou combien d'années. C'est très, très grave. Mais là, ce sont des Guinéens. C'est un groupe de personnes. Et lui, il a été séquestré pendant à peu près 2 semaines et torturé. Voilà, mais bon, on ne va pas revenir sur tout ce qu'il a vécu parce que vous avez écouté. Sinon, ça va rallonger la vidéo. Il a perdu l'ouïe et tout. C'est-à-dire, il n'entend pas bien. Il a des soucis. Vous avez écouté. Hein, et puis, vous pouvez rechercher la vidéo aussi. De votre côté, souvent, il faut faire des recherches. Vous pouvez faire des recherches aussi. Et puis, vous saurez à ce moment-là. Donc, dans la commune, à Siguiri aussi, les Dozos, ils sont en train de faire la fête là-bas. Il y a eu plein de coups de feu, je pense. Ils ont attaqué les gendarmes, en tout cas, entre eux là-bas. Les détails, moi, c'est pas ce qui m'importe. Le problème est que quand ce genre de choses se passe dans ce genre d'endroit, ça passe presque inaperçu. Quand c'est ailleurs, c'est tout autre chose. Donc, c'est une justice à 2 vitesses. Ça dépend, quoi. Ça dépend. Et on sait que quand c'est un côté qui ne les arrange pas, ce genre de choses, comment ça se passe et tous les bruits qui se passent autour. Donc, concernant la fête de Tabaski, il y avait le docteur Lula qui devait intervenir, mais c'était pas par rapport à l'interdiction ou quoi que ce soit de prier ou de retarder à la prière. C'était pas ça, c'était par rapport à quoi faire, comment faire, le mouton, tout ce qui est, pardon, côté religieux, côté spirituel. Il allait nous parler de cela. Mais malheureusement, avec le temps qui se passe là-bas, les coups de tonnerre ou les éclairs, vaut mieux éviter avec le téléphone. Donc, ça, on a laissé tomber parce qu'on voulait parler de ça. On a laissé tomber cela. Mais le côté dont je veux vous parler rapidement du côté de la Tabaski, c'est que vu qu'on parle d'un peu des manifestations et tout, donc, il y a des petits trucs qu'on lance pour ne pas que les gens se regroupent, quoi.
Donc ils vont suivre, vous savez, même la prière, on a évité avec Corona, avec ci, avec ça, tout ça pour que les gens ne manifestent pas. Moi, vous connaissez ma position sur les manifestations. Certes, je n'aime pas les manifestations. Je vous dis, je préfère que ça se fasse à l'étranger. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est la diaspora qui fait vivre la Guinée. Je pense qu'on a notre mot à dire et que ici, par ici, on est beaucoup plus libre. En plus, Alpha, il est français. Donc, on a le droit de manifester n'importe où qu'on est, tant qu'on est en sécurité. Par là-bas, il n'y a pas beaucoup de sécurité et je pense que vaut mieux éviter. Depuis qu'ils ont parlé de cette histoire de manifestation, je pense que c'est tout ce qui fait qu'à gauche, à droite, il y a des règlements, il y a des lois, il y a des si, c'est pas le moment. Il y a Corona, on ne peut pas prier, on ne peut pas retarder la prière, il ne faut pas trop de regroupements par-ci, par-là. Donc, enfin, bref. Donc, pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez intervenir concernant le jeune Antoine Bangoura. Vous pouvez faire vos recherches vous-même, réécouter très bien. Après, je ne sais pas s'il y a eu une suite au problème, où ils sont, à quel niveau ils sont maintenant. Vous avez entendu son grand-père qui veut vraiment, qui dit que si ce dozo-là se prend pour un extraterrestre. Vous voyez, c'est ça le problème en Guinée, c'est ça le souci. Quand c'est quelqu'un qui est dans le système, quand c'est quelqu'un qui est proche du système, il n'y a pas de justice. Tout ce qu'on lui a fait là, il dit avec son français à lui quoi, cette histoire d'eau là, c'est-à-dire qu'on met l'eau dans le seau, on fait comme ça, ou alors on te lance l'eau au visage. Mais je pense, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on met la tête dans le seau, on met la tête dans le seau jusqu'à ce que l'eau finisse dans le seau quoi. Et un autre côté, je pense qu'il y a quelqu'un, il y a l'enfant d'un avocat qui est dans cette histoire, apparemment, Mucha, il dit la fille de l'avocate. Comme c'est le français n'est pas terrible, peut-être que si c'est un avocat ou une avocate, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a sa famille qui est dans ce monde-là, apparemment. Donc, qui lui a mis la cigarette, excusez-moi du terme, sur ses, comme il l'a dit dans la vidéo. Vous voyez, ça, ce sont des trucs. C'est-à-dire, c'est inhumain, c'est incroyable. Donc Dieu seul sait pendant 2 semaines ce que ce garçon a pu vivre là-bas. L'humiliation, le mettre nu, le frapper. Un être humain comme toi, vous êtes frère, vous êtes du même pays. Même si ce n'est pas la même ethnie, mais vous êtes du même pays. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 4 jours. Je pense que plus de 10 jours, même si c'est un jour. C'est-à-dire, je me demande même comment quelqu'un peut même penser cela. C'est prendre quelqu'un et séquestrer la personne ou alors torturer quelqu'un. C'est-à-dire, il y a des trucs. Tu te dis quelquefois que c'est dans les films. Ce n'est pas la réalité. Tu te dis que c'est dans les films. Donc, c'est pourquoi quand je vois, moi, souvent des Guinéens dire que, ah, eux, ils ne veulent pas la guerre, ils ne veulent pas la guerre. Je vous dis cela régulièrement. Je dis, mais tout ce qui se passe dans les pays en guerre, les Guinéens le font. Comme ce genre de choses. Comment vous pouvez attraper quelqu'un? Il y a eu un vol de voiture. Vous êtes partis ensemble. Vous êtes revenu, peu importe, que ce soit lui qui est volé, bah, que ce soit pas lui, bah, là n'est pas la question. C'est le déroulement de la chose. Cette histoire de séquestration, de plus de 10 jours, subir toute cette douleur, toute cette humiliation, et qu'on veuille étouffer l'histoire, et que le monsieur Dozo, soi-disant, dit que le monsieur il peut aller où il veut. Ça, c'est des trucs que nous, les Guinéens, nous sommes habitués à ça. Pour dire, ah, tu sais qui moi je suis, ou bien... C'est des banalités. Ça, c'est même pas... C'est comme ça qu'on fait. Dès que quelqu'un a une petite notoriété, c'est faire ce genre de choses, c'est banal, c'est normal, c'est l'injustice au summum, quoi. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut. Si tu penses que tu peux avoir une petite couverture du système, donc, tu fais ce que tu veux. Donc, quand c'est comme ça, c'est énormément grave. Vous voyez? La fois dernière, quand on parlait, c'était quel jour, ma dernière vidéo de cette histoire de, comment on appelle ça, de cette histoire de réclamation de victoire, il y a 2 personnes qui se sont fait arrêter. Je pense que c'était pendant la vidéo ou juste après, pendant ce temps, 2 personnes se faisaient arrêter. Juste pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très difficile, c'est très très compliqué pour les gens qui sont en Guinée. C'est pourquoi je vous dis que ce combat, le mener en Guinée, ça va être très très difficile. Si les gens se disent qu'on ne peut pas faire un combat à l'extérieur de la Guinée aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on peut le faire. Mais pourquoi on ne les nourrit pas là-bas? Pourquoi leur nourriture vient d'ici? Pourquoi l'argent vient d'ici? C'est ça qu'il faut voir aussi. On va essayer de
Il y a quelqu'un qui a appelé ça coupé. Dad, envoie-moi mon numéro, s'il te plaît. Envoie-moi mon numéro. Par SMS. Ouais, Facebook. Merci. Envoie-moi ça, pardon. Donc, vous voyez, c'est vraiment malheureux que ce soit comme ça, quoi. Vous êtes frères. Quoi que la personne ait fait, vous pouvez trouver une solution. Je pense que dans leur famille, on dirait qu'il y a un militaire parmi les enfants de ce monsieur Dozo. Quoi qu'il en soit, c'est-à-dire, pourquoi aller jusque-là? Il a eu de la chance. S'il mourait, qu'est-ce qu'ils allaient faire? S'il mourait, ils allaient faire disparaître son corps. C'est comme ça que ça se passe. Les gens disparaissent comme ça, aux disparitions inquiétantes. Ou alors, ah, mon enfant, il habite dans telle famille, mais on ne l'a plus revu. Ils vont faire des enquêtes jusqu'à demain. On ne peut même pas faire d'enquête parce qu'on dit, ah, il était là la fois dernière, il a passé la nuit. Le matin, il est sorti ou la nuit, il est sorti. On ne l'a plus revu. Il a eu la chance, il a survécu à cette séquestration et à ces tortures. Donc, quand même, il a pu parler. Voilà, merci. Attendez, vous allez dire, ah, voilà, c'est ce qu'a la tête dure. Nien. C'est ça, les 06. Il y a un truc, 06 27 85 66, tu es sûr? Faut bien vérifier, hein? 06 27 85 affaire de 66 là. 89, voilà. 89. 89 85 voilà 89 donc 06 27 85 89 86 06 27 85 89 96 pour ceux qui sont en France. Et hors de la France, si vous voulez appeler par WhatsApp, ça sera le 0033 6 27 85 89 96. 06 0033 6 27 85 89 96. Ceux qui veulent appeler hors de la France, vous appelez à ce moment-là avec le numéro WhatsApp et essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Oui, Ousmane Sidibé, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui veulent participer, ceux qui veulent dire quelque chose par rapport à toutes ces choses-là, on vous écoute. Sinon, si vous n'avez rien à dire, Ousmane Sidibé, comment tu vas? J'espère que ça va. Et les menaces, on te menace toujours. Merci, merci, merci pour le bas. Moi aussi, qu'Allah vous bénisse là-bas. Donc, c'est ce qui s'est passé avec M. Bangoura, M. Antoine Bangoura. Il a été séquestré pendant 2 semaines. Il a été torturé. Comme tout ce qu'il a dit dans la vidéo, il y a des endroits qui coupent, certes, mais on écoute l'essentiel, on entend l'essentiel. Dans une famille, apparemment, peut-être qu'il vit là-bas, je ne sais pas, en tout cas, ils ont l'air proches, puisqu'il les a suivis, ils sont partis ensemble, je pense que ce sont des gens qui sont proches, ce n'est pas des gens qui l'a connu comme ça aujourd'hui, dans la rue, je pense que ce sont ses connaissances, il doit vivre avec eux, ou en tout cas, ils sont très très proches, ce sont ses amis, ou il a parlé d'un de ses petits, c'est dommage et c'est malheureux que ça se passe comme ça, ce sont des Guinéens, ça ce n'est pas un Nigérien qui l'a fait, ce n'est pas un Gabonais qui l'a fait, ce n'est pas un Béninois qui l'a fait, ce sont les Guinéens qui ont fait à un Guinéen, un groupe. Ce n'est même pas une seule personne, c'est tout un groupe. Et ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours, c'est plusieurs jours. Donc je pense que ce genre de personnes, ce sont des gens qui sont capables de tout. Il y a, la violence est à un niveau incroyable. Je pense que ce que les gens voient dans les films, tout ce qu'ils voient dans les films ou dans les séries, ils essayent de faire ça dans la vraie vie.
Bon, c'est ça que je me dis parce que je ne vois pas où est-ce qu'on peut avoir des idées comme ça pour le faire à quelqu'un qu'on connaît, même quand on ne connaît pas quelqu'un. Je comprends pas comment on peut faire ce genre de choses à un être humain qui est comme nous, une personne quoi. Donc et puis en plus ça c'est possible que ça reste impuni, pourquoi pas? C'est pas des cas extraordinaires, c'est des cas qui arrivent souvent après quand quelqu'un a accès aux médias ou tu as des bras longs ou alors tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et puis on arrive à en parler. Vous voyez, ça c'est récent. C'est pas vieux, hein. C'est récent ce qui s'est passé là. C'est plus récent que le cas du Nigérien. Donc, c'est très très bien beau de dire qu'un Nigérien a torturé un Guinéen. Mais les Nigériens sont en Guinée, hein, parce que les Guinéens ne regardent que les films nigériens. Ils ne regardent que cela toute la journée. C'est ce qu'ils regardent en Guinée, hors de la Guinée. C'est ça leur boulot. Quelquefois, je me dis, mais qu'est-ce que vous trouvez dans ces films-là? Comment on peut être attiré par ce genre de choses? Quand on n'a rien en commun, quand ça ne nous apporte pas quelque chose, qu'est-ce qui nous attire dans ça? Quand on voit le genre de film que c'est, qu'est-ce que ça attire? Pourquoi ça attire autant les gens? Je me pose cette question. Que ce soit les hommes ou les femmes, ça les attire parce qu'il y a des trucs bizarres dedans, des trucs de magie, de sorcellerie, de maraboutage. Pourquoi tu vas être attiré par ce genre de choses toute la journée? Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est attiré par quelque chose, c'est que notre âme est connectée à ce genre de choses. Donc, si vous avez quelque chose à dire par rapport à l'affaire de Sigirin, les dozos qui sont en train de faire la fête là-bas aussi, finalement, je pense que c'est le moment des dozos, pourquoi pas, chacun a son temps. Là-bas, on ne parle pas de terrorisme, tout va bien, on ne parle pas d'insécurité, tout va bien, on ne parle pas de djihadistes, c'est très très bien, voilà. Tout est ok, tout est nickel. Tandis qu'on doit en parler. Si cela se passe comme ça, ce sont des gendarmes quand même qui ont été attaqués. Le comment, le pourquoi, moi, c'est pas ça, ça ne m'intéresse pas. Le fait que ce soit les forces de l'ordre, normalement, ils représentent l'État en quelque sorte, qu'ils soient attaqués. Voilà, qu'ils soient attaqués par des gens qui sont armés. Moi, leur truc traditionnel, là, je ne comprends pas grand-chose dedans, c'est pas ça la question. Mais quand on met ces deux groupes-là normalement, dans une république normalement, je pense que les gendarmes sont, les policiers et autres sont beaucoup plus dans leurs droits quand même, sont beaucoup plus, ils représentent plus la loi et l'État que des donzos, ça c'est clair. Donc si ça se passe comme ça et qu'on trouve cela normal, mais et si cela s'était passé dans une autre région de la Guinée? Qu'est-ce qui se serait passé? Que d'autres personnes attaquent des gendarmes, des policiers, des bérets rouges, des douaniers qui se fassent attaquer par un groupe armé. Qu'est-ce qu'on aurait dit? D'une autre région qui n'est pas la zone de Sigiri. On aurait dit que c'était une rébellion. On aurait dit que c'était des ennemis de la République. On aurait dit que c'était des djihadistes. On aurait dit que c'était des terroristes. On est ressorti. Tous ces mots-là, ça, vous savez comment ça se passe. Vous êtes d'accord avec moi. Mais si on ne dit rien, en tout cas, on n'a pas dit grand-chose, même si je ne suis pas au courant du tout. Donc, je pense que toutes ces choses-là sont très, très graves dans un pays. Et surtout que quand la justice est à deux vitesses, quand c'est un côté, on appuie, on tape fort. Quand c'est l'autre côté-là, non, ça c'est bon, ça peut passer, c'est gérable, c'est presque normal. C'est ce qui est grave.